Azul, Azul, Timisiwin, Azul, Flatoun, Timisiwin, bonsoir tout le monde. Srawen Sbrak, Tikli Tiadnin, Rwas, Wissin, Oussan, les conférences, les Diwan Instinti, Zridgam, Live, Zrugadir. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans le deuxième jour des conférences organisées par l'Université d'été Amazigh européenne. Nous avons la fierté de vous accueillir une autre fois. Pour ces rencontres et qui fait suite à celles organisées en mois de juillet et qui suit encore au mois de août. Permettez-moi, avant de présenter notre invité de ce soir, de remercier chaleureusement les membres de nos comités d'organisation et toute l'équipe qui nous suit en direct de Paris et qui vit sur live. Je suis également reconnaissante envers toutes et tous les invités qui vont être avec nous cette semaine, qui ont répondu à notre invitation et qui vont partager avec nous durant toute la semaine leur expérience et leurs connaissances, chacun dans son domaine. Ce soir, je suis très heureuse et très honorée d'avoir avec nous un grand ami. Un grand chercheur aussi, un expert, comme on le disait, Monsieur Khalid Alayoud. Bonsoir Khalid. Bonsoir Malika, merci. J'espère que vous allez bien avec le confinement. Ouais, ça va très bien. Donc je suis aussi très content de faire partie de ces gens qui vont contribuer dans cette université d'été à Mazir et qui est suivie de partout dans le monde. On est fiers aussi de faire l'antenne ici à Agadir et de partager des moments de savoir avec tout le monde, avec l'humanité, parce que la connaissance, il est là, donc on fait partie de ce savoir humain et qu'on doit partager avec tous les autres. Et je crois que c'est vrai qu'il y a le confinement partout et on est. Il faut faire attention, donc on espère que tout le monde prend ses précautions pour ne pas avoir beaucoup de malades. Mais parmi les biens de ce gouvernement, c'est ces vidéoconférences. Donc on peut toujours se voir grâce à la technologie. Voilà. Exactement. Khalid, ça fait plaisir aussi. Alors Khalid, vous avez fait un parcours assez intéressant, assez riche. Vous êtes un acteur associatif, chercheur en patrimoine amazigh. Vous êtes aussi un membre du Centre SUSMESSA pour le développement culturel, membre de la Commission régionale des droits de l'homme de SUSMESSA. Comme je le sache aussi, vous êtes photographié aussi. Vous étiez un ex-enseignant qui a fait, vous avez choisi de faire un départ volontaire. Vous voulez ajouter quelque chose, Khalid? Bon, donc ce sont des parcours. Nous, on est d'abord fiers d'appartenir à la campagne. Donc, on est ici d'un village, des villages de ce grand Sousse. Et on a eu notre éducation un peu difficile par rapport à aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas de moyens à l'époque. Mais ça nous a forgés et ça fait de nous des militants associatifs qui ont choisi de ne pas quitter leur territoire. Même si on habite la ville, même si on a fait nos carrières ailleurs, on est resté attaché avec nos villages, avec nos terroirs, avec Tamazir tout court. Derne, comme j'aime toujours le dire, chez nous. Et c'est pour cela que ça fait 20, plus de 25 ans qu'on est dedans, qu'on est dans cette expérience et on est fiers de faire quelque chose, que ce soit pour la localité, pour la région et pour le Maroc et pour l'humanité, parce que ce sont des choses où il y a ce partage, cet altruisme et cet esprit de solidarité avec lequel on marie un petit peu des recherches, des exposés, des séminaires. Donc, on est à la fois dans l'action et la réaction en même temps. Intéressant, Khalid. Ça fait plaisir que vous êtes avec nous ce soir. Khalid, alors, vous avez fait beaucoup de voyages. Vous avez pu parcourir des régions, des circuits tout à fait différentes pour y poursuivre vos recherches, pour étudier, bien sûr, les grenouilles collectives des Amazirs, de l'Atlas marocain en général et du Maroc en général. Les Igoudars,
Les Ugoudars sont la première forme de l'activité bancaire, on veut dire, qui a connu l'humanité. Alors, ce soir, nous comptons sur votre générosité habituelle pour nous faire voyager avec vous dans le monde des Ugoudars, n'est-ce pas, Khaled? Oui, donc le thème choisi, c'est un thème qui m'est très cher personnellement. Donc, c'est un sujet qui m'a passionné, ça fait 25 ans, et je continue d'en parler. Pour ne pas vous cacher, j'ai fait cette conférence plus de 160 fois dans différents coins du Maroc, dans les universités, les lycées, les collèges, et même ailleurs, même en Europe. Donc, c'est un sujet passionnant. Mais aussi, chaque fois que je retourne dans un grenier, chaque fois que je continue de voyager, de découvrir, je trouve toujours des choses qui sont passionnantes et extraordinaires et des choses qu'il faut partager pour ne pas les perdre. Et c'est un petit peu ça l'objectif, de la recherche, des médias, des conférences, c'est de sensibiliser la population, les gens, les acteurs, les décideurs à ce patrimoine tellement très riche. Parce que jusqu'à maintenant, il faut le dire, qu'aucun Agadir n'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, chez l'UNESCO, patrimoine mondial, ni patrimoine national, à part un grenier qui a été dernièrement sur la liste nationale. Donc, il y a encore un travail à faire. Et tout à l'heure, je vais en parler, je vais montrer un petit peu la force de ces greniers comme structure ancestrale, mais qui reflète l'esprit de solidarité. D'accord, Khaled. Alors, ce soir, comme vous avez dit, vous parlerez de l'intitulé de votre intervention, c'est Ugoudar ou les greniers collectifs amazighs. À vous la parole, Khaled. Merci Malika et merci aussi aux organisateurs, si ça dit, et à tous les amis. Et je tiens aussi à remercier un ami, c'est Hussein Bouyaqoub, il faut le citer par le nom, parce que c'est un petit peu l'homme qui a noué les passerelles entre la Kabylie et le Grand Sousse. Je crois qu'on a beaucoup de choses à partager les uns les autres et à échanger, parce qu'échanger aussi, ça nous pousse à travailler ensemble et à développer nos territoires. Donc le thème, c'est les Igoudars, les greniers collectifs chez Imaziren, ou bien on peut aussi les nommer les banques Amazir, parce que c'est un système très très ancien qui reflète un petit peu cet esprit. Donc ces montagnes, je vais commencer par une citation d'un vieux sage de chez nous. Ces montagnes, on a avec elles un lien historique qui s'est depuis des siècles. Chez nous, tout est perché. Nos igoudars, nos champs, nos villages, notre orgueil et même notre destin. Mais c'est vrai que on est dans, surtout l'anti-Atlas, c'est une zone hostile, c'est une zone un peu difficile à vivre. Donc les précipitations sont très rares, ça ne dépasse pas les 150 millimètres par an. Les terrains sont très réduits, donc à part les terrasses qu'on arrache aux montagnes, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais les gens, ils ont le génie de s'adapter. Donc c'est une adaptation avec le territoire, avec le terroir. Donc là, vous voyez un petit peu ces images. Les deux, parce que les Igoudars, quand on parle des Igoudars, on parle de plus de 400 Agadirs. Et d'ailleurs, les Igoudars, ils sont dans le Maroc, l'Anti-Atlas, la région du Sousse. On les trouve aussi dans le Haut Atlas central, dans la région du Rif, dans la Kabylie, dans l'Algérie, ça existait avant, et même en Tunisie. Donc, on les trouvait normalement dans Tamazra, dans le grand nord de l'Afrique. Et ça diffère d'une région à l'autre. Et je vais montrer les différences qu'il y a. Ici, donc, c'est un petit peu la dominance de la pierre. Donc, les greniers de montagne sont construits par la pierre. Et c'est la pierre, on la trouve sur place. Et d'ailleurs, on dit Azront Mazir, en Amazir, ça veut dire que pour construire et pour même fonder une foyer, une famille, il faut la faire avec les pierres de chez soi, parce qu'ils peuvent s'adapter avec le territoire. Donc voilà, donc les images que vous voyez, donc là c'est l'un des plus beaux Agadir.
donc l'image suivante. Et quand on voit là, donc vous voyez un petit peu, il y a deux rangées et il y a, ça c'est Agadir Inoumar, c'est l'un des plus grands greniers collectifs du Maroc avec 295 cases, 295 chambres, coffre-fort, parce que là, chaque chambre, il a sa spécificité, il appartient à une seule famille, où il met tout ce qu'il y a de valeur, les écrits, les bijoux, surtout en argent, et surtout l'orge, parce que l'orge, c'est un petit peu, c'est l'or vert de la montagne. Et les structures, donc les formes, ils diffèrent d'une région à l'autre. On ne trouve jamais des formes géométriques, le rectangle, le carré, le cercle, etc. Et c'est ça le génie du maçon Amazir. Donc ce sont des ingénieurs formés sur le tas, ils n'ont pas de diplôme universitaire, mais c'est des vrais artisans qui ont façonné ce territoire et qui nous ont laissé des chefs-d'œuvre en architecture. Et je crois que les écoles d'architecture aujourd'hui doivent visiter ces greniers et amener, organiser des voyages pour leurs étudiants pour voir un petit peu ce génie architectural qui est extraordinaire et qui perdure depuis 4-5 siècles. Il y a des Agadirs qui ont dépassé les 4 siècles, ils sont encore là, rien qu'avec la pierre, la terre et l'arganie. Donc on continue, voilà, donc là les différentes formes, vous voyez un peu, là c'est le grenier, les deux, donc c'est l'image du grenier collectif, ils sont un peu perchés, ça ressemble à, moi je l'appelle là, c'est le nid de l'aigle, c'est perché, c'est tellement immense, c'est difficile d'accès. Le choix, il est stratégique parce que l'Agadir, il joue deux rôles, le rôle défensif et le rôle d'emmagasinement. Donc, c'est à la fois un grenier, c'est un coffre-fort, c'est une banque, mais aussi c'est une forteresse. Donc, pour défendre un petit peu les biens, chaque fois qu'il y a l'instabilité, qu'il y a les razzias, qu'il y a des problèmes, donc la tribu peut se réfugier dans l'Agadir et se défendre. Voilà, donc c'est un petit peu l'architecture en pierre. Voilà. Et là, c'est l'autre image. On est là sur, c'est toujours les formes. Donc, il y a toujours le choix stratégique des hauteurs. Donc, sur les sommets, sur les collines. Et il y a toujours l'enclos, une clôture aux alentours. Les palmiers, on les trouve dans le désert, surtout dans les palmiers dattiers, les troncs d'arbres comme ça. On les trouve surtout dans la zone de Tata, là il y a Agadir Etkin et autres. Donc c'est un autre système, mais l'utilisation, ils utilisent le pisé, la terre, la paille et autres. Voilà, donc qu'est-ce qu'un Agadir? Donc on continue. Un Agadir au singulier, Igouder au pluriel. Donc Igouder, on ne dit jamais, j'ai visité un Igouder, donc j'ai visité des Igouder. Igouder, c'est le pluriel d'un Agadir. C'est un mot amazir qui signifie la forteresse et le grenier collectif. Et qui signifie aussi le mur. On dit Agadir Aghreb. Dans d'autres zones, on l'appelle Igherm. Il y a Igherm, donc Igherm, c'est aussi le grenier. Dans la zone du Rif, ça s'appelle Ajdir. Parce que là, au niveau phonétique, ça change. Donc on dit Ajdir à la place de Agadir. Voilà, donc le mot Agadir, il est répandu dans le sud-ouest du Maroc, dans la plaine du Sousse. Il est remplacé par le mot Igherm dans l'Atlas oriental et le Moyen Atlas et le Haut Atlas central. Là aussi, il y a de très beaux Agadir jusqu'à aujourd'hui. La différence, c'est que là, on est dans un autre système, c'est le système de semi-nomadisme. C'est des gens qui vivent entre la montagne et la plaine. Donc, 6 mois dans la Zahar et 6 mois dans la montagne. Et ils ont un autre système de grenier qui est un peu spécial, avec 5 jusqu'à 6 étages. Donc, l'Agadir, il est toujours construit sur une colline ou bien sur une montagne dont l'accès est très difficile. Et vous voyez un petit peu sur cette coupe que l'Agadir, là, il est... Agadir Inoumar, il est au centre, donc entre la hauteur de là où il y a le village et la vallée où il y a le Ouad Aourga, un Ouad qui passe à côté. Et il est isolé, mais il est utilisé par 13 villages. Comme je vais montrer tout à l'heure. Voilà. Donc,
Dans les égouts, ils sont édifiés pour conserver les céréales, surtout l'orge. C'est pour cela, parfois, on dit Agadir Ntonzin, Agadir de l'orge. C'est Agadir, on met d'abord l'orge. Mais à côté de l'orge, qui est bien conservée, parce que quand il y a l'orge, il y a la nourriture de toute la journée. L'orge, on l'utilise le matin pour la soupe, Azkif. On l'utilise midi pour Ibrine, pour le couscous, toujours extrait de céréales, de l'orge. Le soir, c'est pour Tagoula, l'Asida. C'est une bouillie qu'on utilise pour le soir. Et on utilise la farine aussi pour le pain. Donc, vous voyez un petit peu qu'il est utilisé toute la journée et il est très riche. Aujourd'hui, on l'a laissé. On consomme beaucoup la farine, plus le blé, le blé tendre, le blé dur. Mais normalement, l'orge, il faisait partie de cette culture alimentaire avec argan, avec le beurre fondu, oudi. Donc, quand on a de quoi manger, ça veut dire qu'on peut rester là-bas. Il y a deux choses qui laissent les gens dans les montagnes. L'eau et la nourriture. Il n'y a pas d'eau, donc ils ont construit les citernes là-haut, Tinodfa. Et pour l'alimentation, ils ont créé les égouts pour conserver leurs aliments. Pour cela, ils sont restés là-bas. Et même les études, parfois, ils parlent que là où on trouve les Agadirs, c'est rare qu'il y a la famine, les disettes, les famines, etc. Et donc, ils peuvent jouer le rôle aussi de forteresse en cas de guerre et d'instabilité. Donc, on peut tout mettre dans l'Agadir et le conserver et le défendre. Comme vous voyez sur les photos qui suivent, donc il y a ce système architectural très, très solide. Donc il y a d'abord la clôture externe, où il y a le figuier de Barbarie, qui est très épineux. Il y a les tours de guet, où ce qu'on appelle les dafn, les gardiens, ils passent la nuit. Il y a une clôture, une muraille de 3 mètres, la première, avant de passer vers la deuxième, avant de passer vers les chambres fortes. Donc, c'est un système vraiment défensif. C'est très, très rare qu'un Agadir soit pillé ou soit pris par d'autres envahisseurs. Donc, c'est un peu, c'est le système. Et il y a cette architecture défensive qui est très, très forte. Alors, la carte que vous voyez là, c'est la carte des utilisateurs, des ayants droit. Donc, les villages, là, ce sont les noms. J'ai pris l'exemple, le modèle de Agadir et Oumar. Donc, ici, il y a 13 villages. Quand on parle de système tribal, donc, on parle d'une tribu. La tribu, c'est un ensemble de villages. Et dans les villages, on trouve les hameaux, ce qu'on appelle les foyers, le kanoun, takat. Donc, il y a takatine, un ensemble de takatine, ça donne le village. Et l'ensemble de villages, ça donne la tribu, Taqbilt. Et là, donc, Taqbilt, il y a toujours quelque chose qui lie les gens entre eux. Il y a l'Agadir, il y a le Mdrst, c'est l'école coranique, il y a le Moussem qui s'organise la grande foire annuelle. Donc, trois choses qui lient la tribu et c'est les moments de rencontre. Donc, pour l'Agadir Inoumar, qui est au centre là, il y a les villages alentours, Ait Daoud, Ait Yaqoub, Banzad, Ait Waftin, Ait Lhend, Ifrel, Ait Makhlouf, etc. Donc, 13 villages qui utilisent l'Agadir Inoumar, mais c'est l'un des plus grands et les plus beaux que j'ai visités. Donc là, le schéma qui a été fait par Jacques Meunier, une chercheuse française qui a fait une étude, une très belle étude déjà les années 50, 1951, les greniers citadelles au Maroc, qui a été publiée à cette date. Et déjà, il a fait des relevés et des plans. Et comme vous voyez sur le grenier, sur le plan là, il y a les tours, quatre tours, aux alentours ici. À l'entrée, il y a les dépendances de l'Agadir. Donc, chaque Agadir, on trouve un petit peu la maison du gardien, l'ami. Il y a les citernes, parfois deux jusqu'à trois, donc les citernes à eau. Quand je parle des citernes, Tinoudva, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de puits. Donc, c'est un autre système de génie et que j'ai appelé toujours dans mes conférences la gestion de la rareté. On est dans un système où il y a
L'eau est très rare, la terre elle est très rare, l'agriculture est très rare. Mais avec le système de gestion, ils ont pu survivre dans ces zones-là. Et puis, il y a les quatre bâtiments, plus le cinquième. Et à l'extérieur, là, on trouve des boutiques. La boutique des bijoutiers juifs, parce qu'on est dans une zone où il y avait une forte communauté juive, marocain, amazigh, ils parlaient tachlihiyyat. Et c'était de vrais artisans. C'était des bijoutiers, des artisans, ils faisaient des choses. Donc, ils passaient, donc ils avaient toujours leur endroit pour passer la journée, parfois 2 jours jusqu'à une semaine. Et les gens, ils viennent pour réparer, pour acheter, pour échanger. À côté de cette boutique, il y a la forge du forgeron. Donc, il y a toujours le forgeron. Parce que là, on est dans un système aussi. On a besoin des choses pour travailler. Donc, tout cela, il est important pour montrer que l'Agadir, dans l'Agadir, c'est un système. C'est un système de gestion communautaire très important. Alors, on continue. Ici, donc, il y a des images sur lesquelles on voit l'endroit et l'emplacement de l'Agadir Inoumar sur une colline. Des photos que j'ai prises moi-même, ça fait des années. Donc, la photo suivante, après le plan d'Agadir Inoumar. Et là, on trouve toujours ce système défensif, donc le cactus, l'accès difficile, les constructions. Donc, on est dans ce système-là, à la fois où il y a la gestion de la rareté dans une zone semi-aride, mais aussi où c'était des zones toujours qui étaient loin du pouvoir central. Donc, il y a cette autogestion. Donc, c'est pour cela qu'on trouve le conseil de sages ou bien Inflas qui gérait un petit peu la tribu et qu'ils avaient leurs droits coutumiers, leurs lois, et dont je vais parler. Donc, on passe au détail. Donc là, ce sont les chambres fortes. Les chambres fortes, pour plus de précision, donc on trouve entre 7 jusqu'à 9 mètres de profondeur. Et la largeur, ça ne dépasse pas 1,60 m, la hauteur 1,30 m, 1,40 m. Donc, on joue un petit peu sur la profondeur et on n'utilise que la pierre, la terre et l'argani. L'argani pour les toits. Ce qui montre aussi ce génie, parce que s'ils avaient opté pour la largeur, ça va s'écrouler sous le poids. Donc, ce n'est pas très large, mais c'est très solide, c'est très fort. Alors, on continue. Là, à l'intérieur des chambres, il y a cet entourage à l'intérieur des chambres. Donc, on trouve un petit peu les chambres d'en bas où il y a ce sillon au milieu de l'orge, etc. En haut, c'est un peu ouvert. Pourquoi on trouve les chambres d'en bas, il y a ce système? Parce qu'on sait que le bas, il y a l'humidité. Si on met de l'orge directement, ça va être humide, ça va se périmer. Donc, ils ont trouvé aussi ce système de ventilation. Au fond, il y a toujours une petite fenêtre qui sert à l'aération. Donc, l'aération pour que l'air circule, pour que l'air tourne. Et on met de l'orge en haut et on laisse le vide en bas. Ça, c'est dans les chambres d'en bas qu'on appelle Tizqi. Celle d'en haut, Agnar, ou bien Ahano, là, c'est un peu. Ils sont plus. Plus apte à préserver de l'orge pour de bons moments. Alors, là, sur l'architecture, on continue. On voit un petit peu, il n'y a que la pierre. Que la pierre. Et il est mis d'une façon extraordinaire pour servir d'escalier pour monter et descendre. Donc, voyez un petit peu, on a 295 chambres. Si chacun amène son escalier, son échelle, ça va être un encombrement d'échelle. Mais là, les pierres sont déjà, ça donne cette image très belle de l'architecture amazigh, mais en même temps, ça sert aussi d'accès pour monter et descendre vers les chambres.
Alors là, ce sont les portes. Ça ressemble beaucoup à des fenêtres. Pourquoi? Parce que s'ils ont opté pour des grandes portes, le poids ne va pas supporter. Donc il y a toujours cet équilibre entre les dimensions pour que ça soit solide. Et vous voyez un petit peu cet enfant, ça fait des années, aujourd'hui c'est un jeune. Ça montre aussi que la grandeur de la fenêtre, ça ne dépasse pas un petit enfant, ça veut dire ça ressemble à une fenêtre plutôt qu'à une porte. Voilà, donc on continue. Pour les entrepôts, les cases, elles étaient toujours entretenues par chaque propriétaire, chaque année. Donc avant de mettre de l'orge, on entretient les cases de telle façon à que ce soit toujours propre et que ça soit aussi désinfecté. Parce qu'il y a les rongeurs, il y a les insectes, etc. Donc, tout ce travail, ça montre aussi ce savoir-faire de gestion de l'espace. Alors là, on passe au droit coutumier. Donc, vous voyez un petit peu les tablettes. Et dans ces tablettes, ça s'appelle Alouah, les louhs d'Agadir. C'est très riche, c'est un trésor, c'est une mine d'or au niveau de la législation, au niveau du droit coutumier. Et malheureusement, on a perdu pas mal de louhs, on ne les trouve pas dans tous les Agadirs. Quelques-uns sont chez des individuels, des propriétaires, et quelques-uns d'autres sont récupérés au moins par des associations qui sont scannées aujourd'hui. C'est un patrimoine qu'il faut préserver, qu'il faut récupérer et qu'il soit à la portée de tout le monde. Parce que c'est un patrimoine aujourd'hui, moi je milite pour que ça soit universel. Ça appartient pas seulement à la région, ça appartient à l'humanité. Et quand on lit ces textes, on trouve que vraiment il y a des choses extraordinaires au niveau de la gestion de l'espace, du vivre ensemble, du respect de la femme, du respect des animaux, de la nature. C'est extraordinaire en tant que droit. Donc, vous voyez un petit peu, il y a cette page du Louh de l'Agadir Inoumar. L'Agadir Inoumar au moins, son Louh, il est chez l'association locale, dont je salue et qui a fait pas mal de choses pour la région. Donc, il y a 160 pages, il y a 40 pages plutôt, et 160 articles. C'est écrit en arabe, mais il y a des termes en amazigh qu'on ne peut pas traduire. Et donc, c'est une langue un petit peu entre l'arabe classique et l'arabe dialectal et amazigh. Et c'est écrit en smakh, c'est un petit peu l'encre que les tlaba, les fuqaha préparent eux-mêmes. Et avec le safran. Le rouge, c'est le safran pour faire des textes. Et donc là, il y a l'ancêtre de ces louhs, de ces agadirs. C'est Agadir qui a été très célèbre et qui a été détruit par Arnage en 1822. Et là, c'est Agadir Inoumar, c'est le louh de l'Agadir Inoumar qui a été transcrit à partir de ce louh. Et cet extrait, on peut lire La shay'a 'ala as-sibyan idha saraqu ma fihi fa'ida ka tamra aw tamratayn aw khubzatin aw fakihatin aw shabaha dhalik. Ça veut dire que les enfants sont dispensés de la société, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont protégés par la tribu, ils sont protégés par la communauté. Et on sait que, on le dit dans le dicton africain, pour éduquer, pour élever un enfant, on a besoin de toute une tribu. Donc, c'est l'éducation, c'est la tribu qui l'a fait. Mais aussi, il est protégé par la tribu. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Et c'est écrit noir sur blanc. Il y a des textes aussi qui parlent des droits de la femme. Donc, il y a plein de textes. Là aussi, ça demande une autre conférence. Voilà, donc, le travail solidaire, il est toujours là. Et ce travail solidaire, ça reflète, moi, je suis toujours passionné par le travail solidaire chez Imazir, et j'en fais partie d'ailleurs dans le travail associatif qu'on mène aujourd'hui. Et il y a cet esprit de solidarité. Donc, quand quelqu'un arrive pour emmagasiner son orge, tous les gens viennent pour l'aider avec leurs animaux, avec leurs bras même. Donc, ils sont là.
et ils ne sont pas rémunérés, ils ne sont pas payés. Donc lui, à la rigueur, il prépare les repas et eux, ils l'aident gratuitement. Mais la prochaine fois, quand quelqu'un d'eux est en train de travailler, les autres vont l'aider. Ça s'appelle Tiwizi, Twiza. Donc Tiwizi, Aussi, Aushak, aujourd'hui je t'aide, demain tu m'aides, etc. Donc c'est de cet esprit-là que les gens s'entraident. Ils sont toujours là, toujours solidaires. Ce qui a gardé aujourd'hui cet esprit de solidarité chez eux, mais qu'on est en train de perdre parce qu'on ne travaille plus ensemble. Alors là, c'est la mine. Donc la mine, ou bien le gardien-gérant, d'ailleurs, il y a l'amana, donc c'est quelqu'un toujours. On préfère que ce soit quelqu'un hors tribu pour ne pas avoir ce conflit d'intérêts. Et son rôle, c'est d'ouvrir et fermer les portes. C'est le portier de l'Agadir. Et d'ailleurs, c'est lui aussi qui garde le lieu. Mais il y a le conseil de sage, qu'on appelle Inflas. Inflas, c'est un conseil élu par la tribu. Donc chacun, chaque arche, ou bien chaque irs, chaque famille doit élire quelqu'un qui va la représenter dans Tenflus, dans le conseil de sage, dans le conseil d'Inflas. Et ce sont eux qui vont gérer un petit peu et qui vont appliquer la loi à partir du louh, ou bien à partir de leur concertation entre eux. Et aujourd'hui, tout cela, on l'a perdu. Donc, ce sont des choses qui sont restées jusqu'aux années 50, 60, mais c'est fini aujourd'hui. On continue. Donc là, l'amin, le gardien-gérant, il est rémunéré en nature. Donc, il est payé par la devise qui est régnante, c'est l'orge. Donc, l'orge qui est là, donc on le paye par l'orge et on lui doit une pesée de 20 kilos chacun. Donc, si on a 295 utilisateurs foyers, ça veut dire qu'il y aura 295 pesées de 20 kilos. Donc, c'est une très bonne récolte. Ce qui reflète aussi que la mine, c'est un métier ou bien c'est une fonction qui est respectueuse. Et d'ailleurs, normalement, ça part du père en fils aussi. Alors là, c'est un peu des choses qu'on trouve qui sont un peu extraordinaires. C'est quand on paye la mine, il y a ce qu'on appelle la part du chat. Donc on a le chat, il est là. Donc puisqu'il y a de l'orge, il y aura des rongeurs, il y aura des rats. Et à la rigueur, donc il y aura des chats. Et on leur doit une part qui est ajoutée à la mine, qui s'occupe de leur nourriture. Et c'est bizarre qu'on trouve ça dans les zones. Donc, il y a plein de choses, on peut en revenir pendant les questions. Alors, pour moi, les greniers, les Agadirs aujourd'hui, ils peuvent jouer un levier de développement dans leur territoire si on les met dans leur endroit important. Parce que pour faire le développement, et surtout les communes rurales dans les montagnes, là où il n'y a pas de mer, il n'y a pas de pêche, il n'y a rien. Donc, on peut jouer sur le développement local et surtout sur le tourisme solidaire, tourisme alternatif, et en faire aussi valoriser le patrimoine pour qu'il draine de l'argent aussi. Ça peut aller. Et là, rien que pour, par exemple, l'Agadir Inoumar, voyez un petit peu, et il a été visité par toutes les chaînes presque. Les chaînes marocaines, chaînes françaises, Échappée Belle, Jazeera. Donc, des émissions, des passages en info, etc. Donc c'est un site qui même les films, il y a deux films qui ont été tournés. Donc, ça reflète un petit peu qu'il y a ce besoin pour cette architecture, pour la montrer. Alors, au niveau du développement, l'Agadir, moi, j'ai connu cette région vers la fin des années 90, vers 98-99. Avant, l'accès était difficile. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. Et je crois que c'est grâce un petit peu à Agadir Inoumar et suite à une émission qui est passée dans l'émission, dont je salue l'équipe Amoudou. Et depuis ce temps, donc, les gens, déjà, ils ont repris, l'association est devenue active, il a trouvé des fonds, des alliés, il a fait pas mal de partenariats.
Et aujourd'hui, donc, il y a l'aménagement des routes, il y a l'électrification rurale, il y a la création de coopératives, il y a le dispensaire, il y a l'école, etc. Donc ça montre que parfois, le patrimoine peut être un levier, un vrai levier de développement local. Là, vous voyez un petit peu les images pour l'addiction en eau potable. Voilà. Et la deuxième image, c'est l'aménagement des pistes, par le béton. Et aujourd'hui, les zones sont désenclavées. Donc, il y a les routes qui sont les pistes qui ont été aménagées. La diapo numéro 30, là. Et vraiment, il faut saluer les gens des villages et les gens de la montagne qui ont fourni un effort extraordinaire et qui ont financé eux-mêmes leur projet. Et il y a aussi les immigrés, il ne faut pas l'oublier, ils sont toujours rattachés à leur territoire. Voilà quelques images, le dispensaire, l'école, voilà. Et pour montrer à la fin les partenaires de l'association qui travaille sur la zone. Donc il a bénéficié pas mal de partenariats avec des associations, avec la coopération technique allemande, le conseil régional, les ambassades, l'INDH, etc. Mais s'il n'y avait pas cette dynamique, il n'y aurait rien qui aurait monté vers la montagne. Là aussi, il y a les universités, les universités qui visitent l'Agadir, qui sont très, très nombreuses. Donc, Inoumar, il est très visité par les étudiants. Université Bnozor, il y avait l'Institut agronomique et vétérinaire. Il y a des universités françaises, l'université du club UNESCO qui a visité l'Agadir, lycée français, l'Institut polytechnique, etc. Donc, la slide qui suit, ça montre un petit peu tout ce travail qui a été fait au niveau universitaire. Il y a à la fin quelques images de visites d'étudiants qui ont visité l'Agadir Inoumar. Voilà, donc les universités. Après, il y a les images des étudiants qui sont aussi venus dans l'université d'été, des étudiants marocains, des émereux, donc qui ont grandi en Europe ou en Amérique, et le ministère leur organise des voyages dont on avait l'honneur de les accompagner dans trois universités d'été. Et là, le développement, donc l'école, après, il y a le changement au niveau social. Les filles qui ont rejoint l'école, qui sont lycéennes aujourd'hui, même, ils ont eu leur baccalauréat, tout cela, ce sont des mutations socio-économiques et spatiales au niveau de la montagne. Le tourisme rural, ça peut marcher et c'est une alternative pour le développement de ces régions poussées, des régions où il y a beaucoup de choses à faire, mais qui sont riches par leur nature, par leur patrimoine. Voilà, donc on défile quelques images qui sont là. Et voilà, donc grosso modo, donc on peut s'arrêter ici et montrer que Agadir, donc Agadir Inoumar, c'est l'un des greniers, ou bien les Igoudal en gros, ça ce n'est qu'un modèle. Donc ce sont des greniers qui peuvent jouer le rôle de développement local dans toute la région. Donc merci pour votre attention et voilà, donc s'il y a des questions, on peut continuer pour développer des sujets qui sur lesquels on n'a pas beaucoup mis le zoom, mais on est là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Salmert. Salmert, Khalid. Salmert, Khalid. Oui, alhamdoulilah. Bon, je vais vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous Oui, ce que j'ai voulu montrer, c'est un petit peu en Spain, toujours cet esprit de solidarité chez les gens de la campagne, mais montrer un petit peu l'Agadir dans son environnement. Donc le grenier, il est là, mais le grenier, ça reflète une civilisation, ça reflète un mode de vie. Moi, je ne parle pas des Igoudal en tant que pierre.
C'est vrai que ce sont beaux en architecture, mais ce qui est important, c'est que ce sont des édifices, ce sont des constructions qui reflètent ce mode de vie, un mode de vie où la solidarité règne, où il est là, très forte. Et cet esprit, on est en train de le perdre avec le temps, avec l'immigration, avec les changements, avec les mutations socio-économiques et spatiales. Donc, moi, ce que je suis en train de chercher dans les écrits, dans les égouts, dans l'Alouah, c'est un petit peu ça. Comment les gens, ils ont pu apprivoiser un petit peu la nature avec toute sa complexité. Je parle d'un territoire qui reçoit moins de 200 mm par an, parfois jusqu'à moins de 100 mm par an. Et les gens, ils ont capté de l'eau. Ils ont capté de l'eau. Ils ont emmagasiné de l'eau, l'eau de pluie, dans les citernes. Ça, c'est un système extraordinaire à voir. Aujourd'hui, on est en train de vivre une autre sécheresse parce qu'on a gaspillé l'eau qu'on avait. Et il y a le deuxième, c'est que on a laissé un petit peu des produits qui sont adaptés à la région. Quand on parle de l'orge, l'orge, il s'adapte parce que il a besoin de deux précipitations par an et aussi on peut le moissonner dans moins de 3 mois. Aujourd'hui, on a changé toutes nos cultures et on est en train d'importer de l'orge de l'extérieur ou bien du blé de l'extérieur. Il y a aussi l'Agdel, à côté de l'Agadir, il y a toujours des forêts d'Arganil qui sont fermées pendant 3 mois. Et pendant cette saison, personne ne doit mettre les pieds dans la forêt. Et avec le système d'Agdel, on laisse un peu de repos pour la forêt pour qu'il récupère. Et par la suite, il y a toute cette gestion durable aujourd'hui qu'on a besoin. On a besoin de ces bonnes pratiques pour les revoir avec tous ces changements qui arrivent. Donc, on est en train de détruire des écosystèmes qui étaient toujours bien gérés d'une façon durable. Ça, c'est le plus important chez moi dans l'Agadir. Et l'Agadir, il ne faut pas le dissocier de son environnement socio-économique et spatial, parce qu'on là, on parle d'un paysage culturel, d'un paysage agricole où il y a à la fois les gradins de la montagne, il y a la gestion de l'eau dans les citernes Ifrd, il y a l'Agadir avec toutes ses composantes, il y a la forêt. Donc tous ces systèmes, c'est un seul système, c'est un paysage agraire aujourd'hui en train de disparaître sous nos yeux. Donc ce sont des choses qu'il faut faire vite pour les préserver, mais il faut les classer comme patrimoine national et pourquoi pas patrimoine international. Quand on parle de l'Agadir Inoumar, Agadir Ntseguint, ce sont deux Agadirs très très beaux au niveau architecture, au niveau grandeur aussi, mais on ne les trouve pas, on ne les classe pas. Parfois, les gens même du Nord, ils ne connaissent même pas les Agadirs. C'est grâce un petit peu aux mass médias qu'aujourd'hui, c'est plus ou moins connu. Donc les pays doivent sauvegarder leur patrimoine, doivent valoriser leur patrimoine, mais il faut le lier avec son contexte socio-économique. Il ne faut jamais dissocier les bâtiments, bien les monuments de leur environnement socio-économique, parce que c'est l'environnement socio-économique qui les a créés, parce qu'ils avaient besoin de les faire, ils les ont fait. Ils avaient besoin de créer des lois, ils ont fait le pour vivre ensemble dans une harmonie. Il y a le respect de la loi par tout le monde. Donc, ce sont des choses sur lesquelles j'aime toujours mettre l'accent et montrer que les gens, ils ont développé des choses qu'il faut montrer et qu'il faut préserver, toujours dans cet esprit moi, je sais qu'on est dans des régions, mais chaque région, il a sa spécificité. Donc là, nous, on parle un petit peu de notre région, parce qu'on la connaît pas bien. D'autres peuvent parler de leur région, parce qu'ils la maîtrisent mieux que nous. Monsieur Khalid, aujourd'hui, peut-on élaborer un droit amazigh du vivre ensemble en harmonie avec la nature à partir des lieux où ils le font? Moi, le luh, quand j'ai lu pas mal de luh, donc j'ai pris une dizaine que j'ai vues. Donc, sur les luh, il y a l'ancêtre des luh, c'est Agadir Oujarif, qui a été écrit en 1492. Ça fait plus de 6 siècles. Et dans le luh, il y a des choses extraordinaires. Donc, déjà, il y a cette vie
ce vivre ensemble entre les Juifs, entre les forgerons, les Noirs, et entre les Mazirs et les autres. Il y a la femme, il y a l'étranger, Agrib. Donc, il y a cet esprit de chacun trouve sa place dans cet espace. On parle aussi d'un espace hurum. L'Agadir, c'est un espace hurum. Ça veut dire que quand tu te réfugies à l'Agadir, personne ne te touchera, même si tu y as commis un délit. Donc, c'est un espace sacré. Il est protégé par des lois et par les gens et par les utilisateurs. Donc, et les gens aussi, quand ils sont de passage, ils peuvent passer la nuit sans rien craindre. Donc, c'est un espace assuré. Donc, tu passes la nuit, demain, tu continues. Donc tout cela, c'est l'esprit de l'Agadir. Et je crois qu'il y a des choses qu'on peut dégager encore aujourd'hui, parce que ça montre aussi que les gens, ils ont pu vivre avec les moyens de bord. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens, mais on a beaucoup de problèmes. Donc, pourquoi on ne cherche pas à trouver des choses qui peuvent encore marcher aujourd'hui, surtout au niveau du développement durable, pour préserver notre environnement et aussi nos sociétés? Oui, monsieur Khalid. Les Igoudars, vous avez parlé tout à l'heure que les gens qui passent peuvent passer la nuit se reposer. Mais est-ce qu'il a serré à l'habitation pour les villageois? Et Non, dans quel état l'habitation? l'Agadir, normalement, c'est comme je l'ai dit toujours, c'est une forteresse, c'est une banque. Le seul qui peut habiter dans l'Agadir, c'est l'Amin, le gardien, avec sa famille, le seul. Donc l'Amin et ses enfants, sa femme, il peut habiter dans l'Agadir. Il y a des dépendances, il y a sa petite cuisine, Arish ou bien Anwar, il y a deux chambres, donc c'est le seul. Mais le gardiennage, ça se fait d'une façon rotative. Ça veut dire que chacun doit passer une nuit à tour de rôle. Les utilisateurs de l'Agadir qui sont 295, donc au moins deux passent la nuit à tour de rôle. Donc chaque 3 mois, tu passes une nuit qui est obligatoire. Donc si tu l'as pas, si tu fais pas ton tour, tu payes des amendes qu'on appelle l'INSAF. Donc tout cela, il est écrit noir sur blanc. Mais les villageois, ils ont leur maison à côté, mais chaque fois qu'il y a de l'instabilité ou il y a un problème, ils peuvent se réfugier dans l'Agadir, le fermer et défendre leurs biens qui sont à l'intérieur. Donc les maisons, on ne laisse que les choses qui n'ont pas de valeur. Mais tout ce qui a de la valeur, il est à l'intérieur de l'Agadir. Même s'il y a des dangers qui menacent la tribu, par exemple. Oui. D'accord. Bon, il y a une question là, et quelqu'un qui vous pose la question, il dit comment valorise-t-on ce patrimoine et ce génie auprès des enfants imazirnes? Je crois pour la question, je remercie la personne qui nous qui tous les gens qui nous suivent d'ailleurs, et je les salue d'ici d'Agadir. La valorisation, ça commence d'abord par connaître son patrimoine. On connaît mal notre patrimoine, donc c'est le travail des chercheurs. On doit montrer d'abord ce qu'on a. Par la suite, on passe à la deuxième phase de la valorisation. Aujourd'hui, il y a le système national et le système international de valorisation. Donc, d'abord le répertoire, il faut répertorier tout ce qui est existant, passer au niveau législation pour que ça soit un patrimoine national d'abord, et passer au classement international. Du moment que les monuments passent au classement international, ils sont très connus mondialement. Donc, l'UNESCO, il diffuse les listes, ils sont traduits dans les différentes langues du monde, et ça soit visitable. Mais il faut se préparer pour les visites. Donc, il faut préparer, il faut qu'il y ait des centres d'accueil, il y a des auberges, il faut éduquer la population. Donc, c'est tout un travail. Mais c'est un travail à la fois éducatif, mais en même temps économique. Ça peut drainer de l'argent, ça peut vivre, ça peut revitaliser ces montagnes. Donc, c'est un travail normalement de longue haleine. Aujourd'hui, la société civile, elle a fait ce qu'il peut, mais avec les moyens de bord. Donc, il faut normalement que aujourd'hui, les élus, les communes, la région et l'État doivent faire son travail. Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'initiatives et des visites organisées par les centres et par les écoles aussi, c'est-à-dire il y a Oui, déjà. on a la chance parce que l'université Ibn Zohr, il est juste à côté, la plus proche des Igoudères. Et on a eu la chance aussi d'avoir des masters. C'est l'occasion aussi de remercier M. Rahbi,
notre cher professeur qui a lancé un du master de patrimoine tourisme à et du l'époque. patrimoine. Et avec lui qu'on a commencé à organiser les visites pour les étudiants. Par la suite, c'est les autres l'INCG, les autres universités et les autres filières qui organisent. Donc ça s'organise chaque année. Des centaines aujourd'hui d'étudiants sont passés par les Igoudars. Il y a pas mal aussi de recherches qui se sont faites sur les Igoudars au niveau du master, au niveau doctorat même. Donc au niveau de la recherche, c'est bien. Donc cette ouverture de l'université vers son environnement socio-économique et spatial de la région, ça a un petit peu valorisé. Il y a aussi les médias qui grâce aussi aux étudiants, ils sont parvenus à venir parce qu'il y a des étudiants journalistes qui ont fait la fac et par la suite, ils ont suivi. Donc tout ce travail, il est là. Mais à part ça, donc il faut aller vers l'avant. Il faut, moi aujourd'hui, on est en 2020, il faut classer les Igoudars patrimoine mondial et que ce soit sur les listes de l'UNESCO. Parce qu'avec ça, au moins, les préserver, les restaurer, ça demande beaucoup d'argent pour la restauration et aussi que ce soit aussi des lois pour l'accessibilité, pour qu'ils soient visitables et que ça draine un peu d'argent. Parce que les monuments, malheureusement, la plupart des monuments au Maroc, ils sont ouverts. Donc il faut que ce soit payant pour que ça génère de l'argent pour la population locale. Que ce soit communautaire aussi, donc il y a des écoles, il y a des transports scolaires, il y a plein de choses à financer, mais en même temps aussi pour tout ce qui est réhabilitation, parce que c'est un travail de chaque année, on ne peut pas réhabiliter une année et arrêter. On doit continuer chaque année pour vraiment préserver notre patrimoine. Oui, au niveau national aussi, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce patrimoine. Ça reste toujours intérêt régional, n'est-ce pas? Beaucoup de gens Oui. au niveau national ne connaissent pas ce patrimoine d'Igoudar. Oui. Normalement, à part, comme j'ai dit, au niveau régional au moins, grâce au travail qui se fait, c'est devenu très connu. Mais il faut que ça soit connu par tout le monde, pas seulement au niveau national. Quand on part vers l'Europe, on connaît les monuments européens. Quand on part vers l'Égypte, tout le monde connaît les pyramides. Il faut que ça soit comme ça aussi. Quand on dit le Maroc, il faut parler des greniers, que ça soit mondialement connu. Mais c'est un travail qui doit se faire et qu'il faut vraiment mettre vraiment, il faut les décisions vraiment réelles pour arriver à ce stade. D'accord, Khalid, merci. Une autre question, pourquoi on ne s'inspire pas de cette architecture et de ce savoir-faire pour construire maisons et logements de les villes comme Agadir? Oui, moi j'adhère à son idée aussi parce que je milite pour que ça soit au moins les cachets architecturaux. Il y a une école, l'ENA, l'École nationale d'architecture, Agadir, elle vient de s'ouvrir. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de les accompagner vers les Igoudars. Mais il faut qu'on forme aussi des jeunes architectes qui vont s'inspirer de cette architecture. La ville d'Agadir, il n'a pas de cachet. On ne peut pas montrer qu'il a une identité architecturale unique comme ça. Donc, il faut travailler sur cette architecture pour que ça soit local. Moi, j'espère un jour qu'une ville, j'en ai parlé déjà avec le président de la commune d'Aït Béha, qu'il prenne un petit peu ce modèle, la ville d'Aït Béha, capitale des Igoudars, et que l'architecture, au moins externe, au moins des bâtiments communautaires, soit inspirée de cette architecture, au niveau des portes, au niveau des fenêtres. Il faut que ça reflète on peut construire avec le béton, etc. Mais les motifs, il faut que ça soit inspiré de cette architecture ancestrale. Parce que c'est beau à voir aussi. Et ça peut donner de la valeur même à la ville. Bon, une question de notre grand ami, Hussein Bouyaqoubi-Anir, notre professeur aussi, que je salue d'ailleurs. Est-ce que ces Igoudars peuvent changer de fonction aujourd'hui, se transformer par exemple en chambre d'hôte, par exemple? Eh oui. Je salue aussi M. Hussein Bouyaqoubi. C'est grâce à lui aussi que ces émissions et ces conférences s'organisent. Je crois que le rôle, il est autre. On ne peut pas les transformer en chambres d'hôtes, mais des espaces visitables, oui. Des espaces visitables, mais il faut aménager l'extérieur. Il y a l'idée pour Agadir Mjigil de faire un extérieur où il y a des salles d'expo, des salles de conférences, à côté aussi une petite cafétéria, un petit restaurant, mais aussi des,
il faut que ça soit payant. Et à la fois, tu peux visiter l'Agadir, tu peux l'utiliser comme ça, comme endroit pour faire aussi des concerts. On peut faire des vidéoclips, on peut faire des séances vidéo, on peut faire des films même. Donc, c'est un décor naturel, inspiré de ce savoir-faire ancestral, mais en même temps, il faut sortir un petit peu de... Il y a des petites ingérences à l'intérieur qu'il faut revoir. Et moi, pour moi, un Agadir, c'est un levier de développement. Il faut qu'il serve de levier de développement pour la commune. Donc, hier, il a joué le lien communautaire solidaire entre les gens. Aujourd'hui, il peut être le levier de développement de toute la communauté aux alentours. Il peut drainer beaucoup d'argent si on sait il faut travailler au niveau de la fiscalité, d'accessibilité, parce que c'est difficile d'accès. Et puis, il faut faire aussi un travail au niveau marketing. Mais il faut qu'il y ait des lois aussi pour qu'il y ait des visites payantes. Tout cela, aujourd'hui, le ministère, il est à côté, mais il ne suit pas. Donc, il doit faire son travail pour gérer et pour organiser, parce qu'on a plus de 400 Agadir. La région, rien qu'à Chtouka, entre Chtouka et l'Anti-Atlas vers Terudent, il y a plus de 140. Donc, c'est énorme. Donc, on peut faire des circuits. J'en ai déjà parlé de ce qu'on appelle le circuit des Igoudars. Dans le DED, on parle de le circuit de la route des 1000 Kasbas. Ici, on parle de la route des Igoudars. Donc, on peut passer de village en village, voir des paysages, passer des nuits chez les habitants, dans des gîtes ruraux, etc. Donc, tout cela, ça peut se faire. Il y a déjà des petites expériences à droite à gauche. Mais il faut que ça soit vraiment structuré d'une façon professionnelle et ça ne peut être que bénéfique pour l'économie marocaine. Oui, Khalid, tout à l'heure, vous avez dit que c'est un ami ou bien un homme de confiance qui s'occupait de la gestion et la protection des Igoudars. Il ne quitte jamais ou presque jamais les lieux pour protéger les biens de villageois. Aujourd'hui, quel est le rôle de cet ami? Les amines sont devenues très, très rares. À ma connaissance, il y a moins de 5. Donc, tous, ils ont quitté. Le dernier, d'ailleurs, à qui je rends un très grand hommage, Marco, l'amine, le dernier amine, l'amine de Agadir Inoumar, avec lequel on a fait le documentaire en 2003. Il est décédé l'année dernière. C'était l'un des derniers amines. D'ailleurs, le documentaire, il avait ce nom. Akhir Oumana, le dernier amine. Et depuis, c'est sa femme qui prend le relais. Donc, à part quelques-uns, une dizaine, moins d'une dizaine, où il y a quelques amines, il y a des amines femmes, les veuves des amines qui sont décédées. Mais ils ne peuvent pas continuer parce que les gens ne donnent plus rien. Ils n'ont pas de salaire. C'est un petit peu le travail des associations. Quand il y a des visites, les gens peuvent les aider. Mais ce n'est pas structuré, ça ne peut pas faire vivre des familles. Donc aujourd'hui, c'est un métier en disparition. Donc il faut revoir les choses, que ça soit visitable, que ça soit payant, et que ce soit les amines qui reprennent leur rôle, mais qu'ils aient des indemnisations, qu'ils perçoivent des salaires mensuels. Et comme ça, ils peuvent entretenir eux-mêmes l'Agadir parce que ça fait partie de leur vie. Ils aiment les Agadir. Moi, je les connais pas mal d'entre eux. Ils sont très rattachés à ce patrimoine. Mais jusqu'à quand? Il faut les aider. Il faut que ce ne soit pas du mécénat, mais il faut que ce soit vraiment un travail payant qui les honore et qui laisse ce travail vraiment honorable pour tout le monde. Dans ce sens-là, M. Khalid, est-ce qu'il existe ou bien est-ce qu'on trouve encore des Igoudars qui ont la même fonction qu'hier, aujourd'hui? Il y en a ceux qui sont encore en marche, mais très rares. J'étais en train de tourner un documentaire avec une chaîne, ça fait 6 mois. Donc, on a visité pas mal d'Agadir. On a trouvé quelques Agadir qui sont en fonction. On a même trouvé de l'orge, les gens qui sont venus récupérer leur orge. Mais ce sont des choses qu'on est en train de vivre à la fin, à leur fin. J'ai des images, j'ai des photos extraordinaires de ces moments que je trouve que ce sont des moments très rares qu'on ne va plus revoir. J'ai trouvé le chat et la mine, j'ai trouvé de l'orge, j'ai trouvé des arêtes. Mais je sais que
après 4-5 ans, il n'y aura plus ça. Donc, ça reste dans des images, dans des photos, dans ce qu'on a tourné. C'est malheureux, mais le patrimoine, plus on prend du retard, plus la facture de réhabilitation sera très chère. Parce que quand on commence au bon moment, on peut gagner beaucoup d'argent. Mais quand on fait beaucoup de temps, c'est difficile. Parce que construire, c'est facile. Mais rénover, restaurer, ça demande beaucoup, beaucoup d'argent. Et du savoir aussi. Même les ma'allemines, même les forgerons, les anciens, ils ont disparu. Donc, on ne les trouve plus. Il n'y a plus les artisans maçons qui taillent la pierre, qui la font de cette manière. Donc, tout cela, il est en voie de disparition. Question, y a-t-il une prise de conscience de la population de la valeur de ce patrimoine, surtout la population qui entoure ces écoutards? Ça dépend des zones. Il y a des zones où il y a vraiment cet esprit de conscience chez les gens, chez les habitants, mais aussi c'est les associations qui ont joué le rôle. Mais par contre, il y a d'autres zones où les Agadirs sont délaissés, entrent, ils peuvent sortir, personne ne leur donne. Moi, ce qui me fait mal, c'est au cœur, c'est que parfois, quand tu visites quelques égouts et plus loin, on trouve qu'il y a plein de choses à mettre dans des musées, à garder dans les musées ethnographiques. Il y a des jarres, il y a de la poterie ancienne, il y a des écrits, des arènes, des tilouas. Et tout cela, il est à la portée de des mains. Donc, beaucoup ça a disparu. Il y a aussi des trafiquants qui achètent les ports, qui les pour les mettre dans des riades, etc. Donc, tout cela, c'est un patrimoine en péril. On le voit se détruire devant nos yeux. Mais je crois qu'il faut vraiment, c'est l'urgence. Il faut un système d'urgence pour récupérer ce qu'on peut encore récupérer. Parce que beaucoup de choses, on les a perdues. Est-ce qu'il y a l'action des élus, c'est-à-dire la mairie, province, régionale, des collectivités territoriales locales, c'est-à-dire des efforts pour valoriser ce patrimoine? Je n'ai pas bien écouté le son. Oui. Quelle est l'action des élus, c'est-à-dire des collectivités comme mairie, province, région? Est-ce qu'il y a des efforts pour valoriser? Parce que vous parliez tout à l'heure des associatives, mais au niveau des élus, est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits? Oui, donc il faut rendre à César ce qui est à César. Je crois que la région, avec le nouveau bureau, il a fait pas mal de choses pour les Igoudars, il ne faut pas le nier. Et ils ont contribué à l'aménagement et la réhabilitation de 6 Agadirs jusqu'à maintenant. Et il y a l'Anzois aussi qui fait pas mal de choses, qui est toujours partante pour tout ce qui est patrimoine. Donc, il faut dire les choses. Il y a cet effort qui se fait. Au niveau local, pas encore. Mais la commune d'Ait Baha, il essaye de faire. Donc, il est sur un très bon projet de la mise en place du centre d'interprétation des Igoudars, mais qui, jusqu'à maintenant, n'a pas encore pris son chemin. Et c'est une des idées vraiment qui va structurer un petit peu le système. Et je crois que même quand on est quand les communes préparent leur plan d'action, le patrimoine ne figure pas. Et pourtant, c'est un atout. Parce que même quand on utilise la méthode SWOT, donc c'est une opportunité. C'est une opportunité qu'il faut citer. Et aussi, c'est des choses qu'on peut à la fois utiliser pour développer, pour générer de l'argent pour la commune. Et d'ailleurs, ce sont des communes qui n'ont pas d'entrée. Ils sont un petit peu dans des zones où il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc, le patrimoine pour eux, c'est une richesse. Mais il faut être conscient déjà que c'est une richesse pour le mettre dans leur plan d'action. Et je crois que c'est un peu ça. Donc, la région, le conseil provincial, il suit un petit peu, mais on espère que ça soit plus développé. Parce que plus on prend du retard, et avec les moyens qu'on met, qui sont très minimes, donc il faut doubler un petit peu, et il faut mettre les vrais moyens et passer vraiment à aujourd'hui. C'est mettre le système, tout le système, mettre de l'argent, et ça peut générer de l'argent même pour la région tout entière.
parce que tu auras d'autres touristes, d'autres voyageurs qui cherchent le patrimoine, qui cherchent la rencontre des gens. Les touristes classiques de la mer, c'est un marché un petit peu essoufflé. Donc, il faut chercher, il faut ouvrir d'autres cieux pour avoir d'autres gens. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent ça. Alors, la production et la restauration des Igoudars, est-ce qu'il dépend totalement des moyens financiers? La protection, pas tellement. Je crois qu'il faut d'abord avoir la conscience et la prise de conscience aussi, mais il faut la décision. Si on a ça, on peut faire. Parce que ça ne demande pas énormément d'argent. Pour restaurer un magasin, ça ne demande pas de grands budgets. Mais il faut qu'il y ait il faut gérer déjà des petits problèmes parce qu'on est dans des sites où il y a beaucoup d'intervenants. Il y a les ayants droit, il y a la commune, il y a les autorités, etc. Donc, il faut mettre tout ce beau monde autour de la même table pour parler le même langage. Donc, déjà, ça, il faut passer par ça. Et par la suite, il faut mettre des budgets chaque année. Et je crois au bout de 3-4 ans, on peut faire beaucoup. Et s'il y a l'implication de tout le monde, la région, les conseils provinciaux et les collectivités territoriales. Donc, les trois. Donc, quand on parle de quand tout le monde s'implique, on peut gagner beaucoup de temps. Mais par la suite, comme j'ai dit, ça peut rapporter énormément pour tout le monde. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi des Elouah, une autre fois, Elouah ou bien Izerfan. Est-ce que chaque tribu a son Louh et Izerfan ou bien chaque tribu a son Louh ou bien on a un seul Louh qui Non, à l'origine, c'est Agadir Oujarif. Donc, Louh ou Agadir Oujarif. Agadir Oujarif, donc, c'est l'un des monuments qui est devenu un petit peu un mythe, le mythe des Igoudars. Il a été détruit par Arnage à l'époque de Moulay Slimane. Pourquoi? Parce que même le pouvoir, même Lyoti, Robert Montagne, il avait dit à l'époque pour décider des villages et la rendre à la décision, et les soumettre, il faut raser ces Agadirs. Donc ils savent que la force des tribus, c'est les Igoudars. Donc, du moment qu'ils ont l'Agadir, ils ont de quoi vivre, ils ont de quoi résister. Donc, parfois, il a donc le louh de l'Agadir au Jarif, il a été transcrit par d'autres. Mais chaque fois, il y a des améliorations. Chacun ajoute, il y a trois fouqahas qui écrivent. Donc, ils ajoutent, ils font des adaptations avec le contexte local. Donc, si on prend le louh de l'Agadir au Jarif, on trouve beaucoup de modifications par rapport aux autres alouahs. Et le paradoxe, c'est qu'on trouve les louhs que dans la région de notre Atlas occidental. Donc, le Sousse, c'est la région du Taroudant, vers Bani. Mais quand on monte vers le Haut Atlas central, la zone d'Etabli, on n'a pas trouvé des louhs. Il a le droit coutumier oral. Donc, il n'est pas écrit. Même, je crois, en Algérie, même en Tunisie. Donc dans le Sousse, ils ont développé, ils ont écrit un droit coutumier qu'on garde aujourd'hui. Et qu'il faut s'y valoriser, qu'il faut travailler. Dans la zone d'établi, il y a un autre système. Il y a les greniers de falaise. Parce que même les greniers, on ne peut pas dater, on ne peut pas donner une date du départ des greniers. Là, on trouve les greniers de falaise chez Ait Bouli, donc des zones où il y a des nomades, des semi-nomades, donc des éleveurs. Et quand ils reviennent vers la Zaghari, ils cultivent, ils mettent leur orge dans ce grenier de falaise. Ce grenier, il y a 500 chambres. C'est l'un des plus grands, mais il est en plein falaise. Et il est camouflé aussi d'un système extraordinaire. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé du chat, la présence du chat dans les Agadirs d'Issous. Mais dans cette zone de Jgal, l'Agadir au Jgal, dans la zone d'Etbouli, le Haut Atlas central, on trouve le cobra, le serpent venimeux, qui est en association avec la population. Parce que quand il quitte pour la montagne pour 6 mois, donc il laisse quoi manger, des œufs, parfois des choses, le beurre fondu pour que les reptiles, surtout les cobras, les serpents le mangent. Et quand ils reviennent, ils ne les tuent pas.
Ils disent que ce sont des serpents sacrés. Ils ne les tuent jamais. Mais quand ils reviennent, ils veulent les utiliser. Donc, ils utilisent les cornes de chèvre qui donnent une odeur qui n'est pas appréciée par les serpents, par les reptiles, et ils quittent. Et ils peuvent utiliser. Et par la suite, quand ils vont partir, ils mettent encore de quoi manger. Et les gens, ils ont toujours peur de serpents. Ils ne peuvent pas s'aventurer à l'intérieur parce qu'ils ont peur d'être mordus. Donc, ici, c'est le gardien gérant. C'est plus la mine, c'est le serpent. C'est le gardien du temple. Donc, ce côté anthropologique, et là, je sais que Sibou Yaqoubi, il est en train de nous écouter. Là aussi, ça demande toute une réflexion, toute une étude sur ce côté anthropologique de la gestion de cet espace sacré et profane à la fois. Donc, il y a des choses que les gens, par exemple, ils disent que c'est le haram, mais il y a la présence aussi de la religion islamique, donc on ne peut pas mettre un chien dedans. Mais le chat, ça existe. À l'intérieur, quand ils entrent, ils disent que c'est un lieu sacré, donc tu peux même enlever tes chaussures. C'est un lieu propre. On trouve aussi les mosquées en présence, une présence très forte de la religion islamique. Est-ce que ça existe avant l'arrivée de l'islam ou c'est une adaptation après? Même au niveau des droits coutumiers, toujours il y a cette réadaptation avec le contexte. Donc tout cela, ça demande des études approfondies pour aller pour aller vers des résultats qui montrent toujours cette richesse et cette force de ces greniers collectifs en tant que système d'adaptation, système de gestion tribale, mais aussi communautaire. Bon, aujourd'hui, on va profiter des doubles casquettes que vous portez, ou bien plusieurs casquettes plutôt. On va essayer de poser plusieurs questions dans certains domaines. D'ailleurs, je remercie beaucoup les gens qui nous suivent au live ce soir. Il y a quelqu'un qui vous pose une question. Créer des sites régionaux protégés. Est-ce possible? Est-ce que c'est possible au Maroc au niveau de la région aujourd'hui? Tout cela, c'est un travail. C'est un travail normalement des collectivités locales, mais aussi de l'État, des ministères. Le ministère de la Culture, malheureusement, il ne suit pas, n'est pas très, très chaud pour les Igoudars. On est allé à Rabat, on a déposé des dossiers pour les ministères, mais la réaction n'était pas vraiment qu'on attendait, on aspirait. Et je crois normalement, il faut pas priver la population de leurs droits. Mais en même temps, il faut réconcilier à la fois les deux. C'est pas facile, mais réconcilier les deux. Le droit de la population locale et le patrimoine. Il faut que, moi je défends cette théorie. Les gains, il faut qu'une partie, au moins, part vers la population locale comme bien communautaire, comme richesse communautaire. Par exemple, si on prend les entrées d'un Agadir qui fait par exemple un chiffre d'affaires tel, une partie, c'est vrai pour la gestion, pour la restauration, pour payer les fonctionnaires, pour la publicité, pour le balisage, etc. Mais une partie, il faut que ce soit vraiment, que ça serve pour la communauté locale. Par exemple, si le village il a le transport scolaire, il faut financer le gasoil parce que ça va être, tout le monde va bénéficier, surtout la fille rurale. C'est grâce à cette solidarité que les filles, ils ont pu participer, ils ont pu terminer leurs études au niveau des collèges, au niveau des lycées, parce que c'est loin. Ils peuvent aussi aménager des routes, on peut réhabiliter aussi les anciens citernes qui sont en voie de disparition. Je salue l'initiative telle qu'elle sont en train de rénover pas mal de citernes dans leur zone. Ça, c'est un travail vraiment extraordinaire, cette prise de conscience par la communauté, par les gens, par les jeunes, surtout les jeunes lettrés, les gens qui ont été formés dans les villes, qui reviennent dans leur zone. Donc, tout cela, c'est un travail normalement qui doit se compléter, mais l'État doit jouer son rôle. L'État, c'est le régulateur. Les ministères, c'est leur rôle. Ils doivent régler un petit peu. Et les gens, ils sont là pour les aider. Mais ils ne doivent pas faire ça à leur place. On montre des choses, on montre des anomalies, on donne de bons exemples, mais l'État doit faire son travail. Et surtout, le ministère de la Culture aujourd'hui, il doit vraiment passer à l'action. Et avec le Covid, on a vu que la culture aujourd'hui, c'est elle qui a fonctionné.
C'est les deux ministères, la culture et la santé. Donc, on a besoin de culture, la vraie culture. Donc, il faut mettre de l'argent pour vraiment avoir cette culture. Et on peut gagner de l'argent qu'on peut réinvestir par la suite. Comme acteur associatif, Khalid, quel est votre message aujourd'hui pour tous les partenaires? Et mon message depuis 25 ans, on milite pour avoir une autre vision des choses. Pour d'abord aimer ce qu'on est. Donc on est fier d'appartenir à un territoire où il y a des choses qui sont extraordinaires qu'on ne découvre pas. Et il faut se connaître d'abord et faire connaître son territoire à d'autres. Et il faut s'ouvrir sur les cultures, sur les différentes cultures. On n'est pas fermé. On n'est pas une civilisation enfermée. On est une civilisation ouverte sur. On est un carrefour de civilisation. On peut prendre des gens. On peut avoir beaucoup d'échanges. Moi, je suis avec les échanges interculturels. Il n'y a pas mieux que ça pour se développer. Mais en même temps, il ne faut pas se dissocier de ses racines. Donc, on a de fortes racines qu'il faut à la fois gérer, garder, mais avec une tolérance avec les autres. Il faut donner à la culture sa place qu'il mérite. La culture aujourd'hui, c'est l'avenir du Maroc. La culture, ce n'est pas le tiers-temps, ce n'est pas des moments de répit, ce n'est pas des moments de repos. La culture, c'est des choses qu'on peut vivre du matin au soir. C'est notre pain, c'est notre pain journalier. La culture, il est partout. Donc il faut la travailler. Il y a pas mal d'associatifs, de militants qui font des choses extraordinaires, mais il y a l'essoufflement, il y a l'épuisement, il y a l'âge aussi qui joue son rôle. Mais je crois que ça doit être structuré. Il faut plus parler du bénévolat. Oui, c'est beau, mais jusqu'à quand? Et on n'a plus vraiment des vrais militants. On les perd de plus en plus. Et il faut valoriser les gens. Et à ce moment aussi, on a perdu un grand homme de théâtre, Ahmed Bedouj, que Dieu ait son âme. C'est là aussi des figures emblématiques de notre culture, dans le Sousse. Il est parti dans des conditions où il n'a pas eu ce qu'il méritait. Il a fait beaucoup de choses, mais il n'a pas reçu ce qu'il méritait. Donc on aurait mieux vu Bedouj. Dans une autre situation, avec un bon salaire, avec au moins une vie stable, il a milité pour la culture amazigh, pour le théâtre, pour le cinéma, l'armo. Et voilà donc mon message un peu ça. Mais il faut toujours être confiant, il faut voir les choses, il faut toujours voir la partie pleine du verre, il faut garder l'espoir, il faut continuer de militer, de travailler. Un jour, je crois, on arrivera, on arrivera. Voilà pour la dernière, je crois, c'est la dernière question. Les entreprises privées, pourquoi ne financent-elles pas la production ou bien la restauration de ces œuvres d'art? Il Secteur faut, privé. je crois que ici dans la région, sans dire le nom parce qu'il n'aime pas qu'on le cite, il y a une entreprise vraiment qui a fait beaucoup de choses pour le patrimoine. Et une personne, parce qu'ici on ne peut pas dissocier la personne et l'entreprise. Donc, il a fait pas mal de choses pour la culture dans la région. Heureusement qu'on a des personnalités comme ça. Mais comme j'ai dit, ça dépend des gens. Ce n'est pas l'entreprise qui agit, mais c'est la personne au sein de l'entreprise. La volonté. Normalement, il y a les fondations qui dépendent des grandes boîtes, des grandes firmes, des grandes entreprises. Ils doivent faire ça. Par exemple, Lona, c'est elle qui a fait la mosquée de Tinmel. C'est bien. Donc, il faut qu'on ait des entreprises citoyennes qui s'investissent aussi dans le patrimoine. Mais en tant que des actions structurées, pas des mécénats, des actions structurées, organisées, ça va être que bien pour tout le monde et pour la culture marocaine. Et quand on parle de la culture marocaine, la culture amazigh en fait grande partie.
Bon, Monsieur Khalid Al-Ayoub, merci beaucoup pour votre participation, pour cette intervention extrêmement intéressante et passionnante, comme d'habitude, et pour ce magnifique voyage aussi. Merci, ça fait plaisir de vous retrouver toujours. Merci Malika et merci aussi pour nos amis Sadi et tous les gens qui nous ont suivis sur l'université d'été à Mazir. Azul Fla, Untan Mert, Timen Sewin. Merci Monsieur Khalid. Alors je terminerai en vous souhaitant tous et à toutes une belle soirée et en vous remerciant de votre attention et votre participation aux questions et de suivre ce live. Et n'oubliez pas de vous protéger vos proches en appliquant les conseils des autorités sanitaires. Timen Sewin, Kundra, Onmokar, Nuzka, Nusbah, même endroit et même heure, Timen Sewin.